Bonjour, dans différentes vidéos, je parle de faire des séances de sophrologie ou de relaxation avant de faire certains exercices pour vous permettre d'être plus centré à l'intérieur de vous-même et d'éviter de partir dans des pensées qui peuvent être des freins ou des blocages par rapport à ce que vous imaginez, par rapport à vos projets de vie importants. Et donc j'ai opté pour la solution du professeur. Et j'ai pris un petit micro que je viens de tester. Tout ça justement pour que lors de la séance de relaxation que maintenant je vais vous proposer, pour que vous m'entendiez bien, parce que ma voix risque de descendre un petit peu au fur et à mesure que moi-même ben, je vais me relâcher, puisque en faisant l'exercice pour vous, ben, je vais faire l'exercice pour moi en même temps. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement dans une chaise, dans un fauteuil, etc. D'avoir les pieds à plat sur le sol, de pas être trop non plus affalé dans votre fauteuil. Donc il faut vraiment que la colonne vertébrale soit droite. Vous pouvez le faire éventuellement dans votre lit, mais si possible pas couché. Ou alors si vous le faites couché, vous devez plier les jambes. Comme ça, si jamais à un moment vous endormez, vos jambes risquent de tomber sur un côté ou de l'autre et de vous réveiller. Puisque le but ici, c'est une relaxation dans le but de travailler sur vos objectifs, la visualisation de ces objectifs, etc. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas s'endormir. Donc vraiment bien assis confortablement. Essayez éventuellement différentes chaises pour trouver là où vous vous sentez bien. Et donc, je vais vous inviter, si possible, à fermer les yeux, juste écouter le son de ma voix et les différentes instructions que je vais vous donner au fur et à mesure. On va commencer d'abord par une respiration au niveau du ventre. Donc en fait, c'est pour avoir une respiration plus abdominale, si je puis dire ça. Et donc, vous allez faire bouger en fait votre diaphragme différemment. Donc, on va imaginer que vous ayez un ballon au niveau du ventre. Donc en fait, moi là, je mets ma main sous mon ventre pour vraiment sentir. Et à l'inspire, vous allez sentir ce ballon qui se gonfle au niveau de votre ventre. Donc vraiment. Et puis à l'expire, vous mettez votre main et vous sentez votre ballon qui se dégonfle et votre ventre qui rentre à l'intérieur de votre corps. J'inspire. Mon ballon se gonfle. J'expire, mon ballon se dégonfle. Inspire, expire. Essayez, si possible, de faire cet exercice trois fois de suite. Donc, trois grosses respirations. Inspire, expire. Vous allez déjà sentir une grosse détente au niveau de votre corps, rien que par l'effet de cette respiration. Ça détend déjà toute une série de parties de votre corps. Et c'est comme si ça faisait redescendre une série des tensions du haut de la tête vers le bas des pieds. Donc ça, c'est vraiment le but pour moi de la relaxation. Donc c'est d'abord de détendre le corps, de faire redescendre, on va dire, le mental au niveau des pieds et de ne plus être là-haut. Et d'instaurer petit à petit une relaxation. Plus vous allez faire des exercices de relaxation, de détente, de sophrologie, et plus ça va être facile pour vous de le faire. Au début, il risque d'y avoir pas mal de choses qui vont vous perturber. C'est pas grave. Acceptez que c'est là, mais réécoutez à chaque fois bien ma voix. C'est très important de rester juste focalisé sur l'exercice que je vous demande de faire. Si vous avez décroché par un moment, c'est pas grave. On revient, je vais dire, à l'instant présent, à ce qui est en train de se passer, à cette vidéo et aux instructions que je donne. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à commencer à faire ces trois grandes respirations. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je vous invite maintenant à porter votre attention au niveau de votre tête.
et de sentir que tout se détend au niveau de votre visage, de l'arrière de votre tête. Peut-être imaginez comme si vous aviez un doux massage. Peut-être pour certains, c'est comme l'idée d'une douche chaude qui coule et qui fait descendre toutes les impuretés du haut de votre tête vers le bas de vos pieds. Et donc vous sentez comme si ça glissait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de votre corps. Et vous sentez ainsi tous les muscles de votre visage commencer à se détendre. Votre mâchoire se détend elle aussi. Et petit à petit, la détente se propage au niveau de votre cou, au niveau de votre nuque. Continuez tout au long de cette détente de vous servir de votre respiration pour vous détendre. À chaque expire, vous sentez vraiment votre corps se détendre. C'est comme si à l'expire, vous rejetiez toutes les tensions et tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et donc, on sent vraiment le haut du corps qui commence petit à petit à se détendre et à se relâcher. Si par moment, vous avez besoin de bouger pour trouver une meilleure position, n'hésitez pas à le faire, mais faites-le dans des mouvements assez lents pour rester dans cette relaxation du haut de votre corps. Ensuite, quand vous sentez que votre nuque et votre cou sont déjà plus détendus, vous sentez la détendre se propager au niveau de vos épaules, au niveau de vos omoplates, au niveau de l'arrière de votre dos, ainsi qu'au niveau du haut de votre poitrine. Vous pouvez peut-être sentir une sensation de chaleur, de légèreté, de souplesse. Mais peut-être aussi vous allez soudain vous sentir lourd, comme si vous alliez vous enfoncer un peu plus profondément dans le siège sur lequel vous êtes assis. Peut-être que vous avez l'impression de rentrer plus à l'intérieur de votre corps et vous sentez toute la respiration se ralentir, la détente se propager au niveau de vos épaules et descendre le long de vos bras. Descendre jusqu'au niveau des avant-bras pour atteindre les mains et les doigts, au bout des doigts. Si cela vous aide, vous pouvez imaginer que quelqu'un vous caresse doucement et fasse partir toutes les tensions et toutes les énergies vers l'extrémité de vos doigts. Au niveau des épaules et de votre dos aussi. Imaginez éventuellement cette douche chaude qui vous permet de faire partir toutes les impuretés, avec douceur et chaleur. Sentez peut-être cette chaleur vous envahir de l'intérieur. Si vous avez des tensions à certains endroits de votre corps, il n'y a pas de problème. Laissez-les être ce qu'elles ont besoin d'être. Vous pouvez éventuellement respirer dans cette partie de votre corps. Relâchez-vous.
sentez la détente maintenant se propager vraiment tout autour de votre buste, autant à l'avant de votre corps que dans votre dos, au niveau de vos vertèbres, au niveau de vos côtes, et descendre vers le bas du dos. N'oubliez pas de respirer plus au niveau abdominal et de détendre ainsi vos organes internes également. Laissez prendre plus de place à l'intérieur de votre corps. Laissez votre cage thoracique s'agrandir, prendre de l'expansion. Que chacun de vos organes prenne sa totale place pour pouvoir effectuer chacune de ses tâches au mieux. Respirez, sentez que vous êtes plus dans votre corps tout en étant plus détendu à la fois. Toute la partie supérieure de votre corps est maintenant beaucoup plus détendue. Même s'il y a des tensions qui peut-être subsistent, la partie principale de votre corps, au niveau supérieur de votre corps, est détendue. Et la respiration, la détente va se propager encore un peu plus vers le bas de votre corps. Nous arrivons maintenant au niveau des fessiers, au niveau de l'aine, des cuisses. Laissez toute cette détente se propager, comme s'il y avait un petit ruisseau qui coulait le long de vos jambes et qui emportait avec elle toutes les impuretés, les tensions, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et ça continue à glisser du haut de votre tête vers le bas. Avec cette détente qui s'installe de plus en plus dans votre corps, vous continuez à sentir votre présence sur la chaise. Et petit à petit, vous allez aussi sentir que votre pied droit et votre pied gauche vont s'ancrer un peu plus dans le sol. Donc sentez maintenant l'énergie couler au niveau de votre jambe droite et de votre jambe gauche. Et sentez que ça continue à couler vers le bas, que vous continuez à vous détendre au niveau de vos cuisses, de l'arrière de vos cuisses, en se propageant tout doucement vers vos genoux. Laissez votre corps se détendre, pas à pas, doucement, en respirant. Dans chaque endroit de votre corps. Sentez donc maintenant pratiquement tout votre corps commence à être détendu. Descends maintenant au niveau du bas des jambes, des tibias, des mollets. Et vous sentez vraiment que les tensions partent vers le bas dans vos pieds. Vous pouvez peut-être sentir plus de présence de vos pieds. Peut-être qu'ils sont plus lourds ou justement plus légers. Sentez éventuellement des racines partir de vos pieds et s'enfoncer dans le sol pour aller chercher la force au cœur de la terre. Tous les sels minéraux, la chaleur qui est au creux de la terre, l'eau, tout ce dont vous avez besoin pour vivre et pour vous régénérer. En même temps que les impuretés et les tensions s'en vont dans le sol à travers vos pieds. Sentez l'énergie vitale
de la terre qui remonte à l'intérieur de vous-même grâce à vos pieds. L'énergie qui remonte à l'intérieur de chacune de vos cellules, de vos veines et l'énergie vitale qui remonte partout dans votre corps. Vous êtes à la fois plus relâché et plus détendu et vous recevez à la fois plus d'énergie à l'intérieur de votre corps. C'est comme s'il y avait donc un double flux qui était en mouvement. À l'expire, toutes les tensions partent de la tête et descendent jusque dans les pieds, jusqu'au fond de la terre pour être régénérées. Et à l'inspire, vous inspirez toute cette énergie qui rentre via la plante de vos pieds et remonte à l'intérieur de votre corps pour vous régénérer. Vous êtes à présent détendu et prêt pour une séance de visualisation, quelle qu'elle soit, liée à un projet qui vous tient à cœur. Liée à un moment qui est important pour vous, un endroit qui peut être votre endroit de rêve, l'endroit où vous vous sentez bien. N'hésitez pas à utiliser cette séance de relaxation pour vous préparer à un exercice de connexion à vous-même, à vos projets, à vos valeurs, à des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Je vous souhaite un bon voyage et une belle réalisation de toutes les choses qui sont importantes pour vous. Je vais vous inviter maintenant à reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez, à bouger tout doucement les mains, les pieds et ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt. Vous pouvez commencer à bouger le corps, à bâiller éventuellement, et à bouger tout doucement pour pouvoir vous préparer à continuer votre journée et les différents exercices. Une fois que vous serez bien revenu ici dans le moment présent, je vous invite à prendre un papier et un bic et à indiquer toute une série de choses qui sont importantes pour vous. Si l'objectif de cette séance était de définir votre vision à 5 ans, allez-y, plongez-vous dans votre vision à 5 ans. Si c'était de définir peut-être d'autres éléments, des valeurs qui sont importantes pour vous, des choses que vous avez envie de réaliser, qu'importe l'objectif de cette séance, prenez des notes. Plongez-vous là-dedans parce que vous êtes dans un état, je veux dire, vraiment propice, où votre mental n'est plus à l'action de manière hyper forte. Donc c'est plus vos tripes, c'est plus les choses qui sont vraiment essentielles pour vous qui vont ressortir à ce moment. Donc allez-y et n'hésitez pas à revisionner cette vidéo encore et encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.